Quel plaisir et quelle joie de nous retrouver sur ce plateau du Grand Journal du Bien, votre émission de tous les lundis, les mercredis et les samedis à partir de 20h30, même si bientôt nous allons connaître un petit réaménagement par rapport à l'heure de diffusion de cette émission. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci. Merci de nous choisir. Alors, nous sommes encore là. Valère Dubien, mon compagnon de tous les jours, il est avec moi sur ce plateau. Et derrière la baie vitrée, vous allez retrouver toujours Arnaud Tovicho, qui aujourd'hui a formé un jeune qui est là. Je veux parler de Roméo Akpachemé Dubien, qui assure et qui assurera davantage. Et voilà ce qui est encore bien. Voilà du bien. Voilà du bien. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Nous sommes encore là. Alors oui, oui, nous voilà, sommes encore voilà, là. Voilà. Et pour nos chers amis téléspectateurs. Comme toujours, nous sommes toujours là voilà. Pour nos chers amis téléspectateurs du Grand Journal du Bien. Nous vous disons vraiment merci. Merci pour votre fidélité à votre émission. Et le Grand Journal du Bien a pour mission, nous pouvons vous le rappeler encore, de vous ramener toutes les images du bien de ce village. Toutes les images et les propos du bien qui font du bien naturellement, qui donnent une beauté hein, voilà. À votre pays. C'est ça, à notre pays. Voilà. Et c'est ça ce qui sera naturellement bien, voilà. C'est ça ce qui est bien. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci de nous choisir. Et nous sommes partis. Bien sûr. Voilà du bien. Nous allons rapidement démarrer puisque le programme est voilà, chargé. Nous avons un programme spécial aujourd'hui. Un programme spécial. Et nous allons demander à nos chers amis téléspectateurs de vous regarder ceci. Voilà. Vous allez regarder ceci pour vous donner du plaisir. Naturellement. Valet du bien. Valet du bien. On y va. Oui, oui. Hein? On y va. Allez-y. Play. Je suis en train de s'amuser avec vous. Vraiment. Ici aussi, c'est table quoi. Bon, attends un peu. Vraiment, je ne sais pas de quoi je vais faire. Alors, voilà. Mais il faut m'avertir d'abord. Bon. Oh, vraiment. Bon, je vais attendre d'abord. Je vais travailler. Je vais attendre. Sinon, tu vas m'en. Non, je suis en train de bricoler quelque chose. Vu que la voiture va démarrer. C'est bien, non? C'est bien, non? Le bricoleur. C'est bien, non? C'est bien, non? C'est naturellement bien. C'est naturellement bien. Voilà. Ouais. Chers amis téléspectateurs, oui. Vous avez vu. C'est juste pour nous mettre en condition. Bien sûr. Valeur du bien. Pour nous échauffer. Nous échauffer naturellement. Naturellement. C'est notre manière de nous échauffer et de nous mettre en condition. En condition. Et chaque fois que nous allons surprendre nos amis sur le terrain, comme ça, dans ce village, en train de nous donner du plaisir, notre caméra est là, prête à capter ces images-là pour nos chers amis téléspectateurs. Bien sûr. Et voilà ce qui est bien. Et voilà ce qui est naturellement bien. N'est-ce pas ? Puisqu'il il est en train de confondre le tableau au mur. Au mur. Aujourd'hui, et dans ce village. À la veille de voilà. La rentrée. Voilà. C'est dommage, c'est bien naturellement. On peut faire
la confusion bien sûr. Entre le mur et le tableau. Et si déjà le mur constitue un tableau, alors naturellement, c'est naturellement bien. Yeah. Voilà. Voilà. Mais je crois que mm-hmm. nos chers écoliers mm-hmm. et écoliers, je veux dire, bien sûr. Ne vont pas faire cette confusion-là, mm-hmm. naturellement. Non, non. N'est-ce pas ? C'est ça. Voilà. Mm-hmm. Valeur du bien. Rock du bien. Je crois que nous allons entrer dans le vif du sujet. Ouais. Et nous allons rapidement, nous allons revoir ces images-là. Mm-hmm. Nous étions à Misekple, mm-hmm. où les gaz entre griffes, les gaz entre griffes mm-hmm. microbiennes mm-hmm. ont fait du bien à cette population. Bien sûr, naturellement. Bien sûr. Je crois, mm-hmm. nos chers amis téléspectateurs, si on vit avec nous ces images-là, où nous avons parlé ici sur ce plateau de l'hôpital Saint-Luc qui polluait l'environnement, mmh, cet environnement-là. Bien sûr, c'était ça. N'est-ce pas ? Bien sûr. Et vous étiez avec nous ? Oui, toujours. Mmh. Sur le terrain, on a vu comment ça s'est passé. Voilà. Et l'hôpital qui avait initié peut-être ce gaz microbien, mm-hmm. bon, entre griffes, gaz microbienne, voilà. pour rendre en forme la population. En forme, oui, naturellement, pour que la population se retrouve dans de bonnes conditions. Exactement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, ça a changé un peu. Ça a changé. Mmh, bien sûr. Ça a changé, non ? Puisque le journal du bien, vous le savez, nous avons fait nos preuves. Hein. Uh-huh. Sur le terrain. On était à Saint-Michel ici. Uh-huh. Vous vous rappelez, bien sûr. Naturellement. Là où il y avait une montagne d'ordures. Montagne d'ordures. Actuellement, dans le 7e arrondissement. Ça devient. C'est devenu profitable. Un espace. Profitable. Pour les gens, pour les gens qui font des gages maintenant. Là. Voilà. Voilà. Donc, le journal du bien fait toujours pour le village Ouéaouéa. Le journal du bien fait du bien à ce village. Ouéaouéa, naturellement. Donc, nous avons encore fait du bien. Voilà. Et c'est ça que nous allons montrer à nos chers amis téléspectateurs. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons vous demander de voir ce que nous sommes allés voir sur le terrain après que vous ayez vu les images de Misekple à Sainte-Rita, vous allez revoir ce que nous avons vu. Qu'est-ce qui a été fait? Regardez. Voilà. Voilà du bien. Voilà du bien. Je crois que nos chers amis téléspectateurs ont vu que il n'y a plus d'eau. Non, bon, les eaux souillées, polluées, oui, sont parties. Sont parties un peu. C'est un peu. Mais ils ont fait du bon travail. Oui, il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître que quelque chose a été fait. Quelque chose a été fait, oui, bien sûr. Même là où la plaque de litige a été déposé. Vous avez le domaine vu, litigieux, le, là. Le domaine litigieux. Vous avez vu comment ça a été bien rasé. Voilà. Ils ont fait le trou, là. Donc, vraiment, nous avons remarqué qu'ils ont fait du bon travail. Oui. C'est pour cela que nous avons dit sur ce plateau, valeur du bien, que si quelqu'un fait bien, nous allons le dire. Bien sûr. Si quelqu'un ne fait pas bien, nous allons encore le dire. Bien sûr. Et c'est pourquoi, mm-hmm. puisque quelque chose a été fait, mm-hmm. nous avons voulu montrer à la population de ce village
que quand le grand journal du bien dit quelque chose, ce n'est qu'une réalité. C'est ça. Et nous sommes repartis et voilà ce que nous avons vu. Mmh. Je crois à Valeur du bien. Valeur du bien. L'eau a disparu. Oui. Et a laissé place. A laissé place. À la boue. À la. À boue. À la boue. À la. À la bon. À la boue. Bon. Boue. Voilà. Mais au moins, c'est quelque chose. Oui, c'est... L'hôpital Saint-Luc, qu'on incriminait, qui était le plus grand pollueur de cet environnement, a réagi. Ah, déjà? Ils ont réagi. C'est eux qui ont mis les moyens pour que les chefs quartiers, le CA, et tout, en tout cas, puissent faire quelque chose pour le bonheur de la population. De Saint-Rita. Voilà. Saint-Rita, quartier Missekle. Voilà. Donc voilà, Valeur du bien. Valeur du bien. Nous allons écouter le Sécu qui va nous dire qu'est-ce qui a été fait. Et comment. Et comment. Écoutons-le. Ce que moi j'ai à dire, le chef quartier et son conseiller a fait le travail. Ils ont bel et bien curé le caniveau. Ils ont pris des champs, ils ont curé le caniveau, ils ont pris des poclins pour aller creuser là où la population a l'habitude de verser des ordures. Maintenant, l'appel que je vais lancer à la population, c'est l'appel de tout le monde, de toute la population, de ne plus aller verser des ordures les matins dans les eaux ou bien au niveau du débouchement du caniveau pour que ça se répète. La même chose va se répéter. S'il y a toujours les civismes de la population, aller se lever très tôt les matins pour aller verser des ordures dans l'eau, là où l'eau doit passer pour aller dans le bas-fond, ça va, dans quelques temps, ça doit se reproduire. Donc c'est une sensibilisation de tout un chacun. Ce n'est pas au chef quartier seul et ce n'est pas au conseiller. C'est toute la population qui va faire ce travail. Et ensemble, le quartier va marcher. Oui, le grand journal du bien nous a fait du bien. Parce que après votre passage, quelque chose a été fait. On doit dire ça, on doit reconnaître ça. Le grand journal du bien ne fait pas du mal. Et ce n'est pas aujourd'hui que le grand journal du bien existe. On a vu à quelque part. On a vu que Sodeb a réparé quelque chose à côté de nous, ici. Donc s'il n'y a pas ça, le DG ne peut pas vite agir. S'il n'y a pas le journal du bien, et l'hôpital aussi ne va pas, je pense, réagir vite. Donc, même c'est l'évêque même qui a envoyé des prêtres et des techniciens pour aller voir une déclaration des choses. Et automatiquement, ça a été fait. Et tout ça, c'est bien. Oui. Vous voyez, je n'ai pas vu. C'est du bien. Sans vous, je peux dire que sans vous, ça ne peut pas se passer très vite comme ça. Parce que je sais que j'ai écrit ça fait longtemps. Mais personne n'a réagi. Et je remercie aussi la population qui a occasionné et il y a un peu de tension. Donc, nous sommes ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Ils ont fait leur partition aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci. En tout cas, je viens. Merci. Voilà. Et tout ça, c'est bien. Et c'est naturellement bien. Voilà. Le chef quartier. Il a reconnu. Ouais. Il a reconnu que sans l'apport du grand journal du bien, rien ne pourra être fait de sitôt. Ça, c'est vrai. Et c'est vraiment de l'honnêteté. Hein? Il a été très honnête. Ce Sécu
Et je crois que tous ceux qui sont dans cette situation où le Grand Journal du Bien descend et dénonce des faits, dénonce des choses pour l'amélioration des conditions de vie de la population, si ces autorités sont à l'écoute et qu'ils nous suivent aujourd'hui, ils n'ont qu'à comprendre que le Grand Journal du Bien est là pour les aider. Valère du Bien. Exactement, Roc du Bien, je crois que vous avez déjà tout dit. Et le Journal du Bien n'est pas là pour faire du mal aux autorités, non, ni à la population, non, mais pour faire du bien, pour vous montrer ce que vous n'avez pas pu voir. Donc c'est ça. Mais je crois que on aurait appris. Oui, Valeur du Bien. Bien sûr, on aurait appris que l'hôpital Saint-Luc n'a pas respecté totalement ce qui a été dit. Son engagement. C'est-à-dire ils ont continué, ils ont toujours continué. Ils ont ouvert encore leur van. Encore leur van, légèrement. Et ça, si vous regardez actuellement, là où à l'heure où vous parlons, ce jour-là, il y a encore de l'eau. Mais Valère Lubien, nous allons retourner encore sur le terrain pour vérifier réellement. Voilà. Et vous savez, nous avons parlé du Sécu. Exactement. Pas du Sécu. Nous avons parlé du CA. Oui. Donc nous l'avons surpris effectivement sur le terrain. Et il a également parlé. Bien sûr. Nous allons l'écouter. Oui. Écoutons-le. Permettez-moi de vous dire merci pour tout ce que vous faites, ne serait-ce que dans l'amélioration du cadre de vie de nos populations, en forçant l'autorité locale à divers niveaux de pouvoir faire leur boulot. Et je crois que concernant la situation qui prévoit à Misekplé, où il y a eu implication de l'hôpital et tout ça, et de la population de façon générale, c'est parce qu'on oublie très vite M. Roc du Bien, parce que, comme je viens de le dire, il y a de cela 6 ans, l'ouvrage dont on est en train de parler, qu'est le caniveau, n'existait pas. Nous avions bénéficié de la part d'un projet qui a apporté ce soutien d'assainissement du pourtour de l'hôpital Saint-Luc, qui est un centre de santé qui s'est transformé en hôpital de référence dans notre zone, et qui, ma foi, par moment, envoie des eaux de provenant de leur centre de santé. Je ne saurais apprécier la qualité. L'ouvrage n'était pas terminé pour aller jusqu'au niveau du bras. Le financement n'est que suffit pour, à un niveau donné. Il fallait continuer. Mais le peu, la ville prend les dispositions pour faire l'ouverture afin que l'eau puisse s'écouler. Mais force est de constater que la population de Misekplé, qui refuse allègrement de ne pas s'abonner à nos ONG de pré-collecte, histoire de pouvoir collecter leurs ordures au niveau des foyers, préfère aller jeter ça dans ce que vous voyez à côté, et histoire de fermer l'écoulement des eaux. Et c'est ça, quand c'est fermé, l'ouvrage, ça ne peut que se concentrer. Et quand c'est réglé, vous-même vous constatez. Mais vous allez voir 3 semaines après, dès que vous revenez ici, ça va être encore le même scénario qui va pouvoir se poser. Mais cette fois-ci, je suis en train de sensibiliser, demander au chef quartier, de sensibiliser les alentours. Et la personne comprendra en train de jeter ou laisser son enfant venir déposer les ordures à ces lieux. Dès qu'on va le prendre, je crois qu'il y a les voies les plus autorisées, des endroits pour leur faire payer les frais. Et je crois que ce travail a déjà commencé par les élus locaux. Mais vous devez comprendre que beaucoup de personnes traînent ces ordures et c'est à 2h du matin, 3h qu'ils viennent jeter ça à l'emplacement dont vous êtes en train de constater. Ce n'est que pour recommander à la population environnante de faire aussi cette veille citoyenne. C'est à ça que je les exhorte. Je demande à la population de ne plus jeter les ordures devant l'ouvrage d'écoulement d'eau, même dans les environs, parce que avec l'effort de vent, ces sachets vont encore aller boucher l'ouvrage. Et je peux vous dire que les jours à venir, l'ouvrage dont on est en train de parler va être terminé. C'est bien. C'est bien, naturellement.
Naturellement, c'est très bien. Alors, donc, le Grand Journal du Bien ne fait pas du mal. Oh, la mairie de Cotonou, avec le 10e arrondissement, n'a jamais dit que le Grand Journal du Bien fait du mal. Vous nous aviez sonné à la tête, vous n'avez pas besoin de nous sonner. C'est quand vous êtes venu, on vous avait dit que le CA était sur les lieux. Hein? J'ai mis des sommations à Saint-Luc qui a réagi, qui a mis un peu de moyens à la disposition du conseil de quartier qui est allé louer les gensiens pour faire le travail que vous êtes en train de constater, appuyé par la DST de la ville de Cotonou. Merci. Merci, Rodrigue. C'est bien. Voilà, c'est ça. Il a mis des sommations. L'hôpital a réagi. C'est naturellement bien. En tout cas, voilà du bien. Ce qui nous fait plaisir, nous autres, c'est qu'au moins, nous avons contribué à quelque chose. Oui. La population vit bien, au moins. Et nous allons demander, tel que vous l'avez dit, nous allons demander à l'hôpital Saint-Luc, de revoir toute sa copie. Parce que il n'est pas bien de déverser de l'eau polluée, de l'eau souillée, hein, au beau milieu de la population pour les rendre encore plus malades. Si vous ne continuez pas à ouvrir vos vannes, prenez les responsabilités qu'il faut pour pouvoir les fermer encore, pour que la population puisse vivre naturellement bien. Oui, Rock du Bien, vous avez parlé de l'hôpital Saint-Luc. Moi, j'irai directement voir les autorités municipales. Naturellement, le chef quartier a travaillé. Mais vous, vous avez sommé, c'est-à-dire le CA. Vous avez sommé les gens. D'accord, c'est bon. Vous avez dit aussi que la mairie sait que le journal du bien fait du bien. Que le journal du bien n'est pas contre la mairie, d'accord. Mais vous avez vu ce que nous avons fait et vous avez corrigé. Mais votre chef n'a pas encore vu la maison du peuple. Ah oui, la maison du peuple qui est juste à côté. Il faut dire la mairie, la maison du peuple de Wolo-Gedde. C'est ça. Vous n'avez pas encore vu ça. Voilà, ils n'ont pas encore vu. Il y a encore des gazons. C'est un là, hein. Gazon, oui. Gazon. Il y en a encore là. Beaucoup, même. Non, c'est la même, c'est le plus gazon. Ça, c'est forêt. Ah. On dit forêt. Ah, voilà. La maison du peuple de Wolo-Gedde, c'est la forêt. Oh. Attendez. C'est la forêt. Et puis, voilà du bien. Oh, du bien. Non, attendez. N'allez pas voir. Nous allons le dire. Et simplement, il y a eu une réunion. La dernière fois, conseil. Conseil des conseils. Et il y a eu des décisions qui ont été prises. Donc. Oui. On attend de voir. Ah, d'accord. Et qu'on ne vienne pas nous dire, qu'on ne vienne pas nous dire que la maison du peuple de Wolo-Gedde sera confiée, la gestion sera confiée à un. Qu'on ne vienne pas nous dire que valet du bien, Rock du bien, valet du bien, Rock du bien, je dis bien, non, garde ça, je dis, non, regardez, je garde, on va pas dire donc, ça. Donc, qu'on vienne pas nous dire ça, nous avons des Béninois qui peuvent gérer bien gérer. Comment? Dossier à suivre. À suivre. Valet du bien, Rock du bien. Nous allons partir. Oui, nous allons descendre. Et avant de partir, il faut remercier ces amis qui nous appellent de l'extérieur, qui nous appellent de partout. Bien sûr. Dans ce village. Oui. Et quelques-uns à qui nous allons dire merci. Bien sûr, Rock du bien, nous allons dire merci à Yaya, monsieur Yaya Mohamed. Il nous a appelé depuis le Congo. Nous disons merci. Nous allons dire merci à mademoiselle Dorego Amandine. Elle appelle de Cotonou, à Djakosa, Sergino, exactement. Et, Rock du bien, nous sommes pratiquement à la fin des vacances et nous allons quand même remercier les enfants. Quelques enfants qui ont suivi le journal du bien. Nous avons salué les enfants à Foyon. Il s'agit de Renard, Billy, Marie, Charlotte, ainsi que leur maman, Nyaoui, Paulette, qui sont chaque fois devant leur poste téléviseur. Et à chaque fin d'émission, on nous appelle pour nous dire
vraiment merci. Merci pour ce que nous faisons pour la nation. Nous leur disons aussi merci pour ce qu'ils font pour le Grand Journal du Bien et que le soutien soit toujours. Et nous allons remercier également M. Bernard Akakbo. Lui nous a appelé depuis Pointe-Noire. Ah Pointe-Noire. Ça, c'est le Congo. Mm-hmm. Il y a aussi M. Désiré Lagoyer. Désiré Lagoyer. Mm. Il a aussi appelé du Congo. Ah oui. Oui. Vraiment. Et je crois aussi. La diaspora béninoise vivant au Congo vraiment. Suit. Véritablement le Grand Journal du Bien. Mm-hmm, mm-hmm. Et nous allons remercier tous ceux qui nous appellent du Gabon, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Togo tout près, oui, du Nigeria, du Ghana, etc. Merci à vous, merci à chacun et à tous. Merci à celui qui a réalisé cette émission. Je veux parler de Arnaud Tovico du Bien et Roméo Akpachemé du Bien. Je veux remercier également Valet du Bien, les amis de la diffusion. Oui. Abraham. Faudourait du Bien. Oui. Et toute sa bande. Et toute sa Richard. Espoir. Christian. Et je veux parler aussi de Fiacre. Fiacre. Et de Ismaël. Quoi? Mm-hmm. Attention. Ismaël. Tito. Tito. Voilà. Ismaël Tito. Okay. Lui, il est Tito, hein. Tito. 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 Mm. Quand on parle de Tito, là. Mm. Tito. Tito, ancien temps. Ancien temps, là. Eh. C'est comment? C'est pas maintenant, on va dire ça. On y va. Voilà. Raphaël Dubien n'est pas toujours là. Oui, toujours. Et ce n'est pas pour une raison quelconque. Non. C'est pour une mission bien donnée. Mm-hmm. Et je crois bientôt il sera avec nous sur ce plateau pour les images et les propos du bien. Voilà. Et voilà ce qui est dit. Allez, du bien. Allez, du bien. À lundi prochain, mais nous allons dire bonne rentrée académique à nos amis, à tous les enfants et tous les écoliers, écoliers, collégiens, étudiants, etc., etc. Du courage, bonne année scolaire. Et que le meilleur vous accompagne. À lundi prochain. Bonne chance à vous. Voilà.